Bienvenue sur channel Bladi Info Sport. Une façon pour capable connaître tout ça qui a dominé actualité football. Ou même qui a peine rejoint nous sur channel Bladi, n'a invité ou abonner ensemble avec channel ça, pèse petite cloche notification. Une façon pour pas jamais rater une vidéo. N'a démarré avec actualité sportive là, c'est pour avec Kylian Mbappé et la sélection française de football. Deux jours après la France fin bat Pays-Bas à Amsterdam 2-1 et la France tout décroché qualification pour Euro 2024 qui a organisé en Allemagne. Équipe de France qui va recevoir l'équipe Écosse, c'est pour le mardi prochain. Eh bien, faut nous dit Kylian Mbappé, monsieur lui-même qui était inscrit en doublé vendredi dernier avec la France, qui était tout permettre à la France et qualifié pour Coupe d'Europe 2024 là, et bien champion du monde 2018 là, monsieur lui-même n'a pas de chance pour participer dans la séance entraînement avec l'équipe de la France là, dimanche 15 octobre 2023, révélé par RMC Sport. Attaquant et Paris et Saint-Germain, c'était seul joueur qui était absent. Voilà, et faut nous dit pas gain aucune raison qui filtre dans la presse pour ta est vraiment informé pour quelle raison que fait que Mbappé lui-même lui pas à présent avec équipe de France dans entraînement. Gain tout sélectionné équipe de France là, Didier Deschamps, monsieur lui-même te baille nouvelle de Ousmane et Dembélé dans un micro téléfoot. Sélectionné équipe la France là et baille nouvelle de ancien joueur Barcelone. Monsieur dit Dembélé, il était gain un gène musculaire avant et aussi à la veille match football contre Pays-Bas. Monsieur lui-même t'es obligé pas t'entraîner. N'a pas gardé pour nous, et dans la séance qui vient dimanche, qui 15 octobre 2023, n'a pas gardé tout lundi, qui a 16 octobre 2023, pour nous connaître si Dembélé n'est pas capable et disponible pour match cap joué mardi, face à l'équipe Écosse. Deschamps lui-même, qui t'a doué aligner un 11 vraiment remanié, j'en t'ai confirmé, et vraiment, dans le micro, téléfoot. Équipe Liverpool déjà choisi remplaçant de Mohamed et Salah. Faut nous dit était ça qui se passe en Liverpool était à deux droits pour te perdu Mohamed et Salah. Nous connaît en Arabie Saoudite, il était vraiment intéressé avec international égyptien, mais finalement Salah lui-même qui était resté dans un fil monsieur lui-même qui a bouilli boule avec équipe Liverpool. Mais yon départ de Mohamed Salah dans Saoudi pour Ligue 1 toujours été d'actualité. Eh bien, joueur de 31 ans, monsieur Lim qui a réalisé un très bon début de saison avec l'équipe Liverpool. Faut nous dire Liverpool actuellement qui est quatrième et dans classement Premier League là, à seulement 3 points de première place là. Et Salah lui-même, c'est un joueur qui participait dans la performance équipe Liverpool là, qui très bien pendant début de saison. Salah, monsieur lui-même déjà inscrit 5 goals et délivré 4 passes décisives pour 8 matchs joués dans le championnat. Eh bien, selon le journal Mirror, journal britannique, là, il fait connaître l'équipe Liverpool, connaît que c'est capable et dernier mois, Mohamed Salah avec l'équipe Liverpool. Publication anglaise, là, il explique direction équipe Liverpool, tu as déjà trouvé un remplaçant pour Mohamed Salah. Qui a joué ça? Eh bien, c'est Leroy Sané. Et lié ça qui a évolué dans l'équipe Bayern Munich. Monsieur lui-même qui était déjà passé en Angleterre dans l'équipe Manchester City. Eh bien, il paraît être un objectif prioritaire pour l'équipe Liverpool pour venir remplacer Mohamed et Salah. En grande partie, c'est parce que joué ça, il est vraiment intéressé par Jürgen Klopp. Journal Mirror lui-même fait connaître que Liverpool est même prêt pour lui battre record dans dossier transfert dans toute histoire li. A appliqué actuellement, joueur Liverpool dépenser plus l'argent pour acheter c'est Darwin Núñez qui coûtait près de 100 millions d'euros bonus compris. Eh bien, faut nous dit Leroy Sané qui gagne 27 ans, monsieur lui-même qui est arrivé à Munich en 2020. L'a réalisé un très bel début de saison avec l'équipe Bayern Munich avec 7 goals pour 9 matchs toute compétition et confondu. Voilà donc c'est juste ça qui intéresse Jürgen Klopp pour ta venir remplacer Mohamed Salah si toutefois monsieur lui-même l'a quitté l'équipe Liverpool dans mois qui a et venir là pour ta aller en Arabie Saoudite. C'est Leroy Sané qui choisit par équipe Liverpool surtout avec Jürgen Klopp
pour venir remplacer ça là. Équipe brésilienne vraiment dans gros problème, surtout avec plusieurs joueurs qui tombent dans gros scandale. Nous connaissons Neymar Junior, Vinicius et Richarlison, yo accusé joueur football ça yo qui à la veille match football face à équipe à Venezuela, yo t'a passé soirée avec et femme. Eh bien, vivement critiqué au Brésil pour performance li face à équipe à Venezuela, eh bien Neymar Junior, monsieur lui-même qui t'a pas insulté yon présentateur. Eh bien, Neymar Junior pour le soutien de Rodrigo, joueur ça qui a évolué en de équipe Real Madrid là. Présent en conférence de presse pour un compte qui va gagner face à l'équipe à l'Uruguay mercredi prochain. Attaquant Real Madrid là, monsieur lui-même était fait en pile éloge pour Neymar Junior qui gagne 31 ans. Monsieur veut connaître Neymar, c'est meilleur joueur équipe là. Entendez déclaration de Rodrigo. Monsieur dit souterrain, ça qu'il proposait toujours aussi fort. Il gagne 31 ans. Et il toujours gardé même qualité. Il est un meilleur joueur majeur qui gagne souterrain et aussi en dehors de terrain. Même si il a toujours dit des bagages sur lui, nous-mêmes qui vivons avec lui très souvent, nous connaissons les différents des images il y a 20 ans. Neymar Junior est très triste à cause de un pile commentaires, mais pour moi-même, il aide énormément. Il est toujours parlé avec moi, même là qu'il allait en Arabie Saoudite là, il toujours voyait plusieurs messages pour moi-même. Il connaît aussi que responsabilité qui soudol et pour le capable et vraiment aider nous en tant que jeune. Sauf que si nous gagnons, c'est aussi parce que l'ICE meilleur joueur nous. Voilà donc c'est comme ça Rodrigo qui s'est joué Real Madrid actuellement qui est en pleine concentration avec la sélection brésilienne de football. C'est comme ça de parler de Neymar Junior, monsieur lui-même qui est un gros scandale. Toujours avec Neymar Junior, monsieur lui-même qui vraiment est kembe actualité avec la sélection brésilienne de football. C'est pas dans bon sens là, mais c'est plutôt dans mauvais sens là. Selon ça qui est révélé par journaliste José Carlos Arroyo, monsieur qui travaille pour Super Radio Tupi, il explique que Neymar Junior t'es vraiment parlé très drôle avec président et fédération brésilienne. N'a parlé de Ednaldo Rodriguez. Raison, c'est parce que Neymar Junior, monsieur lui-même, il pas de comprendre et ni apprécier. Pour qui raison fait que président est accepté pour l'équipe brésilienne, il joue dans Arena et Pantanal, près de Kiaba. Eh bien, ça drôle là, il fait qu'on est Neymar Junior, t'as même insulté Ednaldo Rodriguez, dit des mots qui paraissent très drôles, pendant que Neymar lui-même, il menacé avec et président Confédération Brésilienne de football là pour le pas faire déplacement pour jouer face à équipe Uruguay là. Eh bien, si c'est vrai, ça journaliste l'a révélé, c'est un comportement qui peut être vraiment inacceptable bon côté Neymar Junior pendant ce temps problème dans la sélection brésilienne de football là. Ballon d'or comme chaque année avant chaque cérémonie Ballon d'or là, il a toujours annoncé qui est ce qui pourra le remporter lui. Et chaque année c'est toujours comme ça. Et année ça, c'est même bagaille là. À moins que deux semaines pour cérémonie ça capable organiser, ils ont déjà annoncé qui est ce qui va le remporter Ballon d'Or là. Tendez bien fanatique ça que nous va le dire là. D'après Alessandro Dossetti, qui est proche famille Lionel Andrés Messi, monsieur 7 Ballon d'Or là, champion du monde 2021, Léo Messi t'a doué bel et bien remporté 8e Ballon d'Or. Lundi qui a 30 octobre 2023. Même Mounsa, il annonce sur compte Instagram ni, c'est officiel, Léo Messi remporte le Ballon d'Or. Yo même fait connaître que y a des représentants France Football qui te rendent à Miami pour vraiment rendre visite avec famille Lionel Andrés Messi et fait connaître c'est Messi qui pourra remporter 8e et Ballon d'Or dans la carrière. Messi lui-même à présent dans gala et Ballon d'Or à Paris, c'est pour le 30 octobre prochain d'après information yo. C'est champion du monde 2022 qui a fait causer Angel Di Maria. Monsieur lui-même qui a déjà marqué 5 goals pour 8 matchs à les jouer toute compétition et confondu saison ça. Angel Di Maria, monsieur paraît comme un élément indispensable avec l'équipe Benfica à tel point que le dirigeant portugais a cherché moins pour capable prolonger Angel Di Maria. Mais il y a une autre équipe qui a profité de situation contractuelle champion du monde 2022 pour tenter attirer dans l'équipe.
Il s'agit du club et formateur Angel Di Maria qui c'est Rosario Central. Dans un entretien accordé avec Radio Cadena 3, directeur sportif club argentin qui c'est Frederico Lissenhoff, lui a déclaré qu'il est prêt pour lui accueillir Angel Di Maria. Monsieur dit, moi parler avec Angel Di Maria. Contrat li a terminé au Portugal et en 2024 et nous toutes nous voulons gagner dans le club là. Nous voulons créer conditions et permettre li rentrer à la maison. Voilà, donc c'est comme ça et dirigeant argentin lui-même t'est parlé sur un retour de Angel Di Maria dans le club là qui c'est Rosario Central qui c'est club et formateur champion du monde 2021.